One, two, three, four. Bow, bow, bow. On a pense à casa, le rock. Ce qui rythme nos pas, c'est le rock. C'est de notre temps, les beautés rock, nos plus belles années. Rien ne pourrait nous arranger d'en profiter. En tout cas, je vais faire mon possible, M. Popol. Bonjour. You, François. Oh, bonjour, Suzanne. As-tu bien dormi? Comme un ange. Quoi? Je comprends, j'ai vu des beaux yeux toute la nuit. Oui, il me semble. As-tu le temps d'entrer? J'aimerais ça te présenter ma mère. Ah non, pas ce matin. Je peux vraiment pas me permettre d'être en retard. Ben, ce soir, peut-être? Ben, ce soir, je travaille. Ouais. Non, mais c'est pas loin. Tu viendras faire un tour. Ah, peut-être. Je promets rien. Bon, ben, il faut que je m'en aille. Le devoir m'appelle. Salut! Tourlou! On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I saw the tide. Take our love letters from the sand. On avait fait seulement de s'aimer. C'était beau pourtant. Tu partiras comme le temps. La marée a su tout effacer, y compris ton nom dans mon cœur. Y compris ton nom dans mon cœur. Comme ça, tu penses que ça va marcher? Oh, je le sais bien, Jerry, que tu m'as toujours donné des bons conseils. Mais là, il faut absolument que ça réussisse, tu comprends? Je te laisse là. Merci, salut, t'es un chum. Bonjour, Jackie. Bonjour, ça va bien? Pas pire. Ouais? Ça a pas l'air d'aller fort fort un matin, hein? Te serais-tu couché tard hier soir? Aurais-tu mal dormi? Mal dormi? Au contraire, j'ai fait des rêves extraordinaires. Hey, Bouboule, es-tu devenu livreur? Ben oui. Oh, j'ai commencé un matin chez Demers. Okay, comment tu trouves ça? Ah, ben, essoufflant. Mmh. Oh, il y a sûrement erreur. C'est pas à moi, cette commande-là. Mais non, maman. Bouboule est seulement arrêté une minute pour prendre son souffle. Ah, bon. T'as l'air d'avoir chaud. Voudrais-tu un bon verre d'eau? Ah, ben, si ça vous dérange pas trop. Je reviens dans une minute. Okay. Hey, elle est bien gentille, ta mère, hein? C'est vrai. Mmh. Puis ça a l'air que je lui ressemble. Oh! Mais dis donc, vas-tu travailler toutes les fins de semaine?
Ouais, puis aussitôt que l'école finit, là, je vais commencer à travailler la semaine aussi. Hey, Slim va s'ennuyer. Tiens, mon garçon, ça va faire du bien, merci. Ça. Merci. Puis, penses-tu qu'il va faire beau, hein? C'est si peu long l'été. Va falloir en profiter. Puis, ça fait du bien? Ah, je comprends. Ah, merci beaucoup. Merci. De rien. Je vous laisse, les jeunes. Hein? Bonjour, madame. Là. Bonjour. Ah, hey, tu me parlais de Slim, là. Hein? Il n'y aura peut-être pas le temps de s'ennuyer, hein? Ça se peut qu'il y ait une place à station-service. Ah oui, il est justement allé voir ça ce matin. Ça a bien l'air que c'est moi qui vais trouver le temps long. Je suis la seule à pas avoir d'emploi d'été. J'aimerais ça travailler, ça me ferait de l'argent pour mes dépenses. Ben oui. Hey, moi, sais-tu ce que je veux m'acheter avec mes payes? Un beau bicycle, là, avec des ailes chromées, une flûte, puis trois vitesses à part ça, hein? Hey, plus besoin de forcer. C'est pas comme si les pneus ballonnent là. Penses-tu être capable de te ramasser assez d'argent pour ça? Ah, bien sûr. Il est correct, M. Demers. Il me donne un salaire pas pire. Bon, ben, je deviendrai pas riche comme Popol, mais on ne sait jamais, hein? Ah! J'ai peut-être la bosse des affaires, hein? Hey, je te laisse, là, sinon il n'y aurait plus grand-chose de bon là-dedans. Bye-bye! Tourlou! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-brin. Pa-pa-pa-pa-pa-brin. Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance on Barbara Ann, Barbara Ann. Take my hand, Barbara Ann, Barbara Ann. Take my hand, you got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann. Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann. Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann. And come a two balance of Barbara Ann, Barbara Ann. Play her favorite tune, dance with Betty Lou. Tried Peggy Sue, but I knew she wouldn't do. Barbara Ann, Barbara Ann. Take my hand, Barbara Ann, Barbara Ann. Take my hand, say remember you must get your dolls. And come a two balance of Barbara Ann, Barbara Ann. Barbara Ann. Barbara Ann. François, as-tu bientôt fini de te préparer les patates? Il faut absolument que je sorte. Ouais, ça sera pas long, j'achève. Il m'en reste juste quelques-unes à couper. Bon, ben, les 50 pièces que papa l'a laissées en réserve, ça devrait suffire. Tiens, j'ai fini. Ça n'a pas été trop long. Bon, ben, il faut que je m'en aille, hein. J'en ai pas pour longtemps. Une demi-heure environ. OK, tu t'occupes de tout? Bon, l'heure du dîner est passée, je devrais pas avoir de problème. OK, à tout à l'heure. Salut! Tiens, salut, Bouboule. J'imagine que c'est l'heure de ton Midwest. Oui, c'est en plein, ça. Oh, comment ça va? Parle-moi-en pas. Il est arrivé quelque chose un matin, j'ai pas encore compris. En m'en venant travailler, j'ai rencontré Popol. Sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit qu'il me payait pas à rien faire, que Jackie avait pas à tout faire tout seul, puis que c'était la dernière fois qu'il m'avertissait. Tu comprends-tu quelque chose, toi? Ben, je comprends rien là-dedans. On va pas voir de ça, là. Si t'es pas content, Popol, tu feras comme moi. Tu livreras des commandes. Ah, c'est vrai, t'as commencé à matin? Puis, comment t'aimes ça? Ah, c'est bien le fun! Mais c'était pas de ce vieux bicycle-là. Je te dis, j'ai l'impression de conduire un char d'assaut. Et puis, es-tu moins inquiète que la semaine dernière au sujet de tes amis, là? Ah oui, je commence à m'habituer. Oh, je te l'ai dit, il y a du bon monde partout. Oui. Est-ce que tu veux? C'est pas par caprice qu'on a déménagé, il fallait. Hein? Puis tant qu'à faire, c'était aussi bien de se rapprocher de mon travail. Je sais bien. Au moins, tu peux dormir un peu plus tard le matin. Je sais pas comment t'as fait. Une heure d'autobus matin et soir pendant 5 ans. Ben, j'avais pas le choix.
Quand j'ai trouvé cet emploi-là, la mort de ton père, c'est ce qui nous a permis de survivre. J'ai quand même été chanceuse que M. Milton me reprenne. Ouais. La couture, c'est le seul travail que je connaissais avant de me marier. Mon expérience a quand même servi à quelque chose. Tu sais que l'école finit dans 2 semaines, puis que je suis à peu près la seule dans le coin à pas avoir d'emploi d'été. Ben, c'est bien normal, on vient d'arriver ici, puis on connaissait personne. Non, 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 c'est mieux comme ça. Tu vas te reposer cet été, et puis t'occuper de la maison. J'ai justement l'intention de développer mes talents culinaires. Ah! Tu vas me servir de cobaye. Je voulais te demander, on sort pas ce soir toujours? Non, j'ai rien de prévu. Pourquoi? T'as des projets? Ça se pourrait que j'aille faire un tour au restaurant. Ouais. François me l'a demandé. François? Les 50 piastres, quelles 50 piastres? Mais, tu sais bien, l'argent que papa l'a dit qu'il laissait sous le tiroir de la caisse ce matin. Je vois pas de quoi tu veux parler. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Oh, je vais lui téléphoner tout de suite. Monsieur Papa, c'est Jackie. Vous savez les 50 piastres de réserve? Les avez-vous repris avant de partir? En êtes-vous certain? Mais je le sais que vous êtes pas fou. Mais ils ont disparu, ils sont plus là. Je le sais que vous êtes pris à maison, mais il fallait bien que je vous avertisse. Ouais. Non, non, c'est pas des farces. Ouais, c'est ça. OK. Regardez bien comme faut, là. Puis demain, on s'en reparlera. François, t'aurais dû m'en parler. Je pouvais pas m'en douter que t'avais besoin d'argent. Comment ça, besoin d'argent? Je sais pas du tout ce que ça fait dans mes poches, cet argent-là. Voyons, je comprends ça. Tu fais pas des millions ici. Puis des fois, de l'argent laissé comme ça, sans surveillance, c'est tentant. Hey, wow, tu te trompes, Jackie. Je suis pas un voleur, ah, moi. Je sais que t'es pas un voleur. Tu l'as seulement, disons, emprunté, cet argent-là. Pas de miette, ni volé, ni emprunté. Je vais tout dire à Popole. Qu'est-ce que tu vas lui dire à Popole? Puis tu penses qu'il va te croire? Croire que l'argent est arrivé comme ça, par hasard, dans tes poches? Je sais pas comment ce qui est arrivé là, mais je sais que je l'ai pas pris. Écoute, mon beau François, tu sais bien que Popole te croira jamais. Tandis que moi, même si je lui en parle pas que je t'ai laissé seule une demi-heure, il va me croire. Mais voyons donc, c'est pas correct ça, que les 50 piastres. Tu les gardes? Puis tu fais ce que tu voulais faire avec?
Mais voyons, Jackie, ça n'a pas de bon... Énerve-toi pas. Je vais dire à Popole que je suis restée avec toi toute la journée. Puis je vais essayer de le convaincre que c'est lui qui a dû cacher l'argent quelque part, puis qu'il s'en souvient plus haut. T'as perdu pas ta job. Je vais t'arranger ça si t'es fin avec moi. Qu'est-ce que t'en penses? Jerry avait bien raison. Ça marche. Bonsoir, Suzanne. Allô? Wow! Hey, t'es pas mal cute à soir. Ah, ben, j'ai le goût de t'inviter à un grand spectacle. Où ça? Dans le garage. Non, non, c'est en face. Je m'en vais voir pratiquer les gars. Est-ce que ça te tente de venir? Ça dérangera pas? Ben non, hey, ils sont habitués au public, eux autres. Puis, ça les encourage. Oh, je refuse pas ça, certain. Okay. Attends-moi une minute, j'avertis ma mère pour pas qu'elle s'inquiète. Okay. Je t'attends. Peu importe ce qu'ils font, nous en passons. T'es bien gentil de m'avoir invité. Ah ben, oh. Je suis même plus gentil que ça. Je t'invite ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Hey, qu'est-ce que tu dirais, là, d'un bon... Oh, d'un bon banana split, hein, au snack bar? Au snack bar? Oui. Oh oui. Je vais aller me chercher de l'argent à la maison. Ben non, je te l'ai dit, hein. Je t'invite. OK, d'abord. Dis donc, est-ce que François il est toujours aussi sérieux quand il travaille? Non, non. Mais aujourd'hui, ça file pas. Hein, Monsieur Popole l'a menacé de le renvoyer ce matin. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien! Non, non, moi, je pense qu'il s'en fait pour rien. Popole, il a dû se lever du mauvais pied, là. Ça y prenait quelqu'un sur qui se défouler. Oh, il me semblait non. aussi. Hey, ça te tente d'écouter de la musique? Oh oui. Vas-y, fais ton choix. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm tired and I'm white as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Shaking and my knees are weak. I can't seem to sneak in on my own two feet. Well, who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. So it
ce qui m'est arrivé. Quand je l'ai vu, pour moi tout a changé. Je pense même que je suis jaloux à l'amour. Je deviens fou. Oh, oh. Je ne cherche pas à savoir qui elle est. Je ne vous dirai pas, je veux la garder. Elle a fait de moi un homme amoureux. Je perds la tête, j'ai le cœur en feu. She touched my hand, what I feel like I do. Lips like a volcano that's hot. Well, I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all she got. Hey, Poboul, sais-tu si Slim a été engagé à station-service? Ah, je sais pas. J'ai pas vu ta journée, j'ai fini de travailler à 6 heures, moi. Ah, t'es bien chanceux, moi j'en ai encore jusqu'à 11 heures. Ben ouais, mais. Oublie pas que moi j'ai commencé à 8 heures le matin, hein. Ah, ah oui, puis je l'ai vu pédaler, je t'ai dit qu'il travaille fort. Ben tant mieux, ça va lui faire du bien. Puis toi, Suzanne, qu'est-ce que t'as fait de bon aujourd'hui? François, il te reste encore d'ouvrage à faire en arrière. Puis oublie pas, hein, tu viens me reconduire chez moi ce soir. Tu me l'as promis.